les amis, bonjour les investigateurs, j'espère que je vous retrouve en forme pour votre tour 6 de cet épisode 8. Je commence tout de suite par les précisions. Mine, tu as pris la solution d'utiliser un indice pour annuler l'horreur du tour précédent qui aurait pu t'affecter. Je te l'enlève de suite. Quant à toi, Diana, tu aurais pu subir deux horreurs. Ta capacité fait que, de base, tu en annules une. Tu aurais pu en subir donc une seule, mais tu préfères défausser l'indice. Donc, je te l'enlève bien. Et je t'enlève aussi l'horreur à bout de nerfs qui était arrivée face visible. Tu ne la subis pas. Ce qui est parfait pour toi. C'était les deux seules mises à jour à effectuer pour ce début d'épisode. Qui est-ce qui va le commencer? C'est Trish qui nous le commence. Alors Trish, on a quand même, toi aussi, une petite mise au point à faire concernant ton fameux cadenas. Parce que, si ça se trouve, par rapport à la dernière action possible sur le cadenas, tu vas certainement pouvoir le déverrouiller. Ce qui fait que tu auras été éjecté dans le couloir après l'ouverture de la vitrine. On voit ça tout de suite, mademoiselle Scabberoth. Mine a fini de fouiller la chambre du dandy et visiblement elle n'a rien trouvé de compromettant, même si elle a une mine réjouie. Le terrain va l'aider à prendre confiance. Est-elle Gibbs? Nous aurait-elle menti sur le dandy? Un indice de plus contre elle. En entrant dans le labo du docteur, j'ai été bousculé par une chose horrible à la forme de chauve-souris avec trois yeux rouges destructeurs. J'ai aussitôt sorti mon automatique et lâché un cri malgré moi, mais la créature a fui au profit de la sombre obscurité de cette pièce. Le docteur me paraît suspect. A-t-elle un rapport avec ce monstre ou celui-ci voulait-il simplement s'en prendre à elle? Et cette vitrine cadenassée, étrange. Le décodage ne m'aura pas résisté très longtemps. 11-21, trop facile. Dans le couloir, j'entends Finn qui vient m'aider. Eh, finalement, ce n'est peut-être pas un si mauvais bougre, cet aventurier. Finn, fais attention, j'ai croisé une créature de cauchemar à l'allure de chauve-souris. Wow, voilà que la turbulence me renvoie dans le couloir. Vite, ce rafio ne va pas tenir longtemps. Au moins, j'aurais gagné quelques mètres. Revenons donc sur ton cadenas. Le code est plus complexe que vous ne le pensiez. Vous pouvez tenter l'énigme en utilisant observation. Et c'est là ta force. Tu as 5 en observation. Je m'étais arrêté à 4 tentatives uniquement. Ce qui t'a laissé le temps de cogiter sur le code définitif. Et tu proposes 11. Et ensuite 21, que je n'avais pas inscrit. 11, 21, je vérifie, mais c'est bien ça, proposition. Bravo. Bravo, Trish. Tu as démêlé l'énigme. Une fois la vitrine ouverte, vous dénichez une lettre et une photographie derrière une rangée de flacons. L'auteur de la missive affirme connaître le passé de la doctoresse et la menace de tout rapporter au capitaine si elle refuse de lui obéir. Le cliché montre une foule de personnes réunies comme pour une photo de famille. L'un des visages est entouré en rouge et le nom, Florence Stagg, est griffonné en travers. En y regardant de plus près, vous réalisez qu'il s'agit du docteur Rose Barnett avec quelques années de moins. En parcourant l'image des yeux à la recherche d'autres visages familiers, vous découvrez un William Rochford plus jeune, placé au centre et entouré à dessein par tous ses voisins. Vous retournez la photo, au dos de laquelle une légende annonce « Famille Rochford, Holloway et Stagg, Londres, mai 1887 ». Comme vous vous apprêtez à reposer le cliché, un visage à l'arrière-plan attire votre attention. Une femme en uniforme de domestique est debout, non loin du groupe, presque hors champ.
Si cette photo ne datait pas d'il y a de plus 40 ans, vous jureriez que cette femme n'est autre qu'Ethel Gibbs, la jeune hôtesse de l'air à bord du Stargazer Majestic. Tu gagnes, triche l'objet commun, unique preuve photographique, et ça permet de défausser le pion fouille de la vitrine. L'obscurité, elle, reste toujours présente. Avant que j'oublie, on en revient à ta fin d'action de l'épisode précédent, c'est-à-dire que tu avais bel et bien réussi, avant d'être éjecté dans le couloir, à ouvrir cette vitrine. Donc, tu vas pouvoir démarrer ton tour ici même. Je te donne d'abord la preuve, mais elle n'est pas compromettante cette preuve, elle est juste photographique. La preuve est claire comme de l'eau de roche. Triche, je te remets ce cliché. Maintenant, pour en revenir à ton tour, tu voulais rentrer de nouveau dans le labo. Tu n'as pas besoin de le faire parce que tu avais résolu ça au tour précédent, comme je viens de le dire. On va quand même faire continuer sur l'appli. En comparant les entrées du journal intime et la photographie, vous êtes certain qu'une personne liée à ce cliché a assassiné William Rochford pour le punir d'avoir fui le culte de la sagesse étoilée. Les sujets de cette photographie sauront peut-être vous expliquer leur lien avec la victime. En outre, vous pourriez aussi interroger le docteur Rose Barnett sur la lettre de chantage. La preuve compromettante a été mise à jour. Allez, triche, on en revient à toi. Et là, pour le coup, tu vas pouvoir te déplacer. Alors, il y a encore trois portes que vous pouvez explorer. Finn, Diana et Min, je vais vous laisser puisque vous allez agir après triche et vous avez sélectionné dans vos actions les portes les plus éloignées. Donc dans la logique des choses, pour que ce soit plus fluide, triche, pour ta première action, tu vas te déplacer devant cette porte-ci et tu agis sur elle. Cette porte mène au quartier de l'équipage. Une pancarte rivée dessus rappelle que la zone est réservée au personnel de bord. La pièce est occupée par des rangées de lits faits avec le plus grand soin. Un casier au pied de chaque lit porte le nom du membre d'équipage auquel il appartient. Un cadenas complexe ferme le casier de l'officier Butler. Triche, je crois que tu vas être abonné à l'ouverture de cadenas. Je vous précise qu'il y a une porte comme ça qui mène dans la pièce d'à côté. Cette porte donne aux membres d'équipage un accès direct entre leur bureau et leur chambre. Vous avez le droit d'entrer de une case dans la zone explorée. Triche, oui, tu rentres de une case pour t'intéresser, je le suppose, plus tard à ce futur cadenas. Et maintenant, Finn, c'est à toi d'agir. Triche se débrouille très bien, elle n'a pas l'air d'avoir besoin de moi pour crocheter une serrure. Il y avait Mine devant cette porte, elle a l'air d'avoir peur de l'ouvrir. Je vais la rejoindre. Elle est plus courageuse qu'elle ne le pense, surtout pour ne pas démissionner de Charlie. Je vais rentrer en premier, pour m'assurer que la voie est libre. Quelle galanterie, Finn, quelle galanterie, c'est bien. Alors, toi, tu utilises ta première action, tu es toujours concentré, surtout. Ça, je le déplace avec toi. Tu viens sur la seconde porte encore disponible dans le couloir et tu fais une exploration. Cette porte mène au bureau de l'équipage et la pancarte fixée dessus indique que l'accès à la zone est interdit aux passagers. Bien éclairé, le bureau de l'équipage est envahi par une odeur de cigarette. Tu découvres donc la tuile salle des cartes. Un pion porte comme indiqué, sauf que c'est la porte qui mène bien sûr à la pièce de l'équipage qu'a découvert triche. Tous les pions exploration sont défaussés. Un jeune homme en uniforme de la marine est assis à un bureau couvert de cartes et de documents officiels. Il s'agit de l'officier Butler, responsable de la navigation à bord du Stargazer Majestic. Contre le mur, une pile de cartes n'est pas aussi soigneusement ordonnée que le reste de la salle. Une tache rouge sombre s'étale sur l'une d'entre elles. Finn, il y a
un pion fouille qui pourrait t'intéresser. Vous avez le droit d'entrer de une case dans la zone explorée, ce qui te fait maintenant toutes tes actions accomplies. Et je n'oublie pas de te laisser concentrer. Tu peux donc maintenant laisser la place à Diana. Quelque chose d'éminemment ancien est en train de se jouer de nous, et il doit rire bien fort dans sa dimension perdue. Voilà qu'une autre apparition terrifiante tourmente Trish, et de nouveau, Charlie est victime une fois de plus d'un mauvais sort. Mes soupçons se dirigent maintenant vers Ethel Gibbs, la seule personne au passé le plus trouble. Arrivée dans cette époque, sans coaguler, fantôme du passé, et s'il n'y avait pas qu'un seul assassin, mais plusieurs complices ? Vite, vite trouver Cooper, peut-être est-il au fond du couloir. Ah, hein, plusieurs portes ici, bon, celle du fond. Hey, mais le Stargazer émet de fortes turbulences. Par Yougot, on va finir par s'écraser. Ouh, non, ça s'est calmé. C'est comme si quelque chose avait tenté d'agripper le vaisseau. Quelque chose de très grand. Ah oui, Diana, ça secoue un petit peu, effectivement, à bord de ce dirigeable. Alors toi, tu vas aller directement à la dernière porte encore disponible et tu interagis avec elle. Cette porte mène à la machinerie, elle est verrouillée. Ah ! Voilà qui est par contre plutôt gênant, la porte est verrouillée et vous n'avez aucun moyen pour l'instant d'agir dessus, si ce n'est de trouver bien évidemment une clé. Diana, il te reste une case de déplacement. Eh bien écoute, pour couvrir toutes les possibilités pour l'instant, pour finir ta première action, tu vas venir ici et ta deuxième action aura été bien sûr le fait d'agir sur cette porte. Non, même pas, Diana, je te dis une bêtise, parce que ça n'est pas une action étant donné que pour l'instant la porte est verrouillée. Donc tu as encore de quoi agir au moins une fois. Ce que je vais faire pour rester logique par rapport à vos compétences, Finn, puisque toi tu bénéficies après avoir fouillé d'une case de déplacement, je te laisse fouiller sur cette case là et Diana, tu ne vas pas fouiller à la place de Finn, mais tu vas te rapprocher tout naturellement de l'officier Butler. Par contre, pour ce tour là tu ne vas pas pouvoir lui parler. Et maintenant, monsieur Kane, c'est à vous de jouer. Ce docteur m'a l'air encore plus coupable. Je ne comprends toujours pas ce qui explique son action, mais je pense que c'est bien elle qui est derrière tout ça. J'irai lui reparler. Je suis sûr que cette attaque du Zeppelin par des forces occultes sont le fruit de ses invocations. Bon alors Charlie, toi tu vas insister auprès du docteur, et ça pourrait être payant au vu de ce qu'a trouvé Trish avec la preuve photographique. Tu voulais de toute façon lui reparler à Dot Fisher, mais elle lève un index pour vous faire patienter, puis elle se met à feuilleter son carnet à toute vitesse, en vous ignorant complètement. Non, pour l'instant, tu ne peux pas lui parler. Ce qui, en fait, ça n'est pas une action, et je viens de m'apercevoir d'une chose en regardant l'écran de mon appli. Non, mais je suis impardonnable, vous aurez le droit de hurler, regardez-moi ça. La cabine numéro 2, là, juste à côté, il y a la porte, ou plutôt la cabine numéro 1. Il y a la porte, là, qui reste en place, et ce que j'ai oublié de remettre, eh bien c'est physiquement la porte ici. Alors écoute Charlie, on va en profiter pour se remettre à jour de tout ça, puisque ça n'était pas une action de ne pas pouvoir reparler à Dot, c'est juste une information. Tu te déplaces ici dans la cabine numéro 1 et tu interagis avec la porte qui indique cabine numéro 1, c'est celle de Fred Cooper, l'homme qui a découvert le cadavre ce matin. Lorsque vous ouvrez la porte, des relents de sueur et de fumée de pipe vous assaillent les narines.
Les lampes sont éteintes et plusieurs bougies brûlent sur le sol, disposées selon un motif particulier. Un homme barbu est assis au bord du lit, une vieille pipe à la main. Il semble nerveux et démoralisé. On place Fred Cooper, c'est un passager de classe économique. Des chandelles ont été agencées pour former un motif complexe sur le plancher. Charlie, il y a aussi dans la pièce un pionfouille. Vous avez le droit d'entrer d'une case dans la zone explorée. Bien sûr, Charlie, que tu y rentres. Tu as fait un déplacement, une action d'ouverture. Tu as donc complètement agi. Tu peux laisser la place à ta charmante secrétaire. Mais qu'est-ce que... Il pourrait faire attention, ce pilote de Zeppelin. J'étais sur le point d'ouvrir une porte et me revoilà dans le hall d'entrée. La prochaine fois, je suggérerai à M. Kane de voyager en bateau. C'est tout de même plus sûr. Retournons avec lui et voyons ce qu'il reste à découvrir dans cette cabine. Finalement, c'est assez amusant de fouiller dans la vie des gens. Et utile, bien évidemment, pour essayer de dénouer ce mystère. Alors comme ça, tu aimes farfouiller dans la vie des gens, mademoiselle Tiffane. Eh bien, on va rester sur cette ligne de conduite, puisque ta première action va être d'aller dans la nouvelle chambre, dans la cabine numéro 1, que vient d'ouvrir ton patron, et puis de t'intéresser aux bougies qui ont été éparpillées par le sol. Alors, petite parenthèse, si je te fais faire ceci, mine, c'est parce que tu agis en dernier et on a vu que la porte qui t'intéressait initialement, celle-ci complètement à tribord, est fermée à clé. Donc tu n'as pas lieu d'y aller, je ne vais pas te faire gaspiller un déplacement pour rien. Et puis sur cette zone-là, eh bien, chacun va être passablement bien occupé. Nous revenons donc à tes bougies. Des chandelles ont été agencées pour former un motif complexe sur le plancher. Vous tentez de comprendre le véritable objectif de ce qui est de toute évidence un rituel. Il faut que tu fasses un test en savoir. Tu possèdes 3 en compétences de savoir. Tu fais pour l'instant une réussite, mais attention, une fois par round, tu as le droit de relancer un dé quand tu résous un test. Tu n'as rien d'autre qui pourrait te permettre de transformer ou de relancer, mis à part le fait d'utiliser un indice, parce que, si j'ai bien compris, tu vas quand même préférer conserver ta capacité pour la phase de mythe systématiquement. Donc tu défausses un indice, ce qui te permet d'avoir 2 réussites, et je le redis, je le répète, mais avoir 2 réussites sur ce type de demande, c'est généralement de bon aloi. Vous ramassez une bougie pour l'examiner. Gagnez l'objet commun bougie. Grâce au symbole gravé dans la cire, vous avez la confirmation que ce rituel est destiné à éloigner la malchance. Tu gagnes un indice, je te le rends. On place un pion obscurité sur ta case et on défausse le pion fouille. Je te donne d'abord l'objet commun bougie. Voici tes bougies, c'est une source de lumière. Vous avez le droit de défausser cette carte pour convertir toutes les loupes en réussite lorsque vous lancez un sort. La seule personne à posséder un sort jusqu'à présent, c'est Diana avec les brumes d'Heurlier. Sinon, personne d'autre parmi vous n'en a un. Par contre, il y en a un qui risque de râler maintenant que l'obscurité se trouve dans la pièce. Alors toi, mine, grâce aux bougies, tant que tu les possèdes, tu n'es pas concerné par une case obscurité. La lueur des chandelles meurt et la pièce se retrouve plongée dans le noir total. Vous entendez un battement d'ailes et ressentez un bref courant d'air qui vous fait frissonner des pieds à la tête. Mine, tu es obligé de subir une horreur face cachée. Et ce sera donc ta première. Voilà qui met fin. À ton tour, je regarde que je n'ai rien oublié. Tu t'es déplacé de 2 cases et tu as fait l'action de fouille. Tu as donc récupéré les bougies et une horreur face cachée. Charlie, tu n'as rien récupéré. Diana non plus. Finn, pas plus. Quant à toi, Triche, oui, la fameuse preuve photographique.
Eh bien, c'est parfait. Je vous renouvelle mes excuses pour ce petit contretemps. Eh bien, voilà, puisque vous vous êtes bien amusé, maintenant, c'est à lui d'agir. Dot Fisher semble avoir terminé son enquête dans la cabine de la victime et décide de la poursuivre sur le pont d'observation. On déplace Dot Fisher dans la salle panoramique numéro 2. Un courant d'air chatoyant s'engouffre dans la nacelle. Cet événement de mythe affecte l'investigateur avec la volonté la plus faible. Eh bien, directement, nous allons nous diriger vers Diana Stanley. Diana, tu n'as que 2 en volonté. L'air ambiant est comme aspiré par le passage du vent. Des points noirs apparaissent devant vos yeux et vous avez du mal à respirer. Diana, test de force. Tu as 3. Il te faut 2 réussites. J'en vois une. J'en vois 2. Tu n'as rien qui te permette de relancer, si ce n'est un indice qui te permettra de convertir en réussite. Je te l'enlève. En cas de succès, vous parvenez à rester conscient assez longtemps pour remplir vos poumons une fois la rafale passée. Subissez une horreur, face cachée quand même. Tu n'as pas le choix que de subir cet événement comme ta camarade Mine. Te voici donc avec 3 horreurs, face cachée. Voilà, voilà, voilà. Alors pour ma part, je vais appeler ça un épisode foireux. Parce que Charlie Kane, tu m'as dit en commentaire que tu souhaitais reparler au docteur qui te paraissait vraiment très 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 étrange. Et je t'ai fait parler à Dot Fisher qui était dans la chambre là-bas. C'est moi qui ai interverti les deux personnages. Le docteur est là. Alors, pour le coup, allez, je vais me rattraper aux branches comme je peux. Mais comme il y a eu ce petit cafouillage avec cet oubli de porte pour que vous puissiez continuer votre exploration au sein du dirigeable tout à fait normalement, pour le coup, allez, ça t'aura fait faire un petit crochet et rien ne t'empêchera par la suite d'aller discuter avec le docteur qui, oui, vraiment, vraiment, a l'air d'avoir beaucoup de choses à nous dire. Bon. Eh bien, écoutez, si on fait un petit check, rien de particulier à signaler. Si ce n'est malheureusement que Diana et Mine, vous n'avez pas pu faire autre chose que de subir les horreurs. Hein, aucun moyen de les annuler. Là, je ne me suis pas trompé. Ça reste assez soft. Hein, vous avez un quota. Mine, toi, 7. Tu en as une. Charlie, très large, 9, tu en as 2. Diana, tu en as 3 sur 6. Alors attention, Diana, c'est peut-être toi qui sera surveillée du point de vue santé mentale. Finn, tu en as qu'une sur 6. Et toi, Trish, tu en as 2 sur 6. Bon, c'est raisonnable. Pas de nouveauté, on l'a vu, concernant vos objets. Les objets, nous les avons vus tout à l'heure. Prochain tour, c'est Finn qui commence. Diana, tu suivras. Charlie, ensuite. Puis, Mine. Et enfin, eh bien écoute, Trish, tu joueras le tour en dernier. Bon, vraiment désolé pour ce bidouillage cafouillage. Mais finalement, écoutez, on avance, j'espère quand même que ça vous aura plu, et puis bien, on se retrouve plus que très vite. Salut !